Eh bien bonjour à tous les amis, c'est NotoniBoy, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, j'ai pris une énorme décision, la chaîne elle va totalement changer. Alors je sais qu'il y aura des déçus, des gens tristes, mais j'aimerais beaucoup avoir votre soutien sur la suite de cette aventure les amis. Car oui, le titre n'est pas accrocheur, il n'est pas putaclic, j'arrête les vidéos gaming. Mais attendez, je n'arrête pas YouTube, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin, j'aimerais avoir votre avis et surtout votre soutien les amis, c'est très important pour moi. Donc je vais remettre dans le contexte les amis. J'ai fini les études fin juin, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait un petit court-métrage qui s'appelle Liberty. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller le voir. Et du coup, vu que j'ai terminé les cours, je me suis dit, tiens, je vais débloquer énormément de temps libre consacré à YouTube, donc je vais pouvoir jouer encore plus, vous proposer encore plus de vidéos et tout ce qui suit. Sauf que depuis que j'ai fini les cours, eh bien, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. J'ai mon iPad qui est derrière qui prend la poussière. Vraiment, je n'ai pas ouvert Boom Beach ou Might & Magic ou d'autres, n'importe quel jeu une seule fois des vacances. Alors c'est peut-être les vacances, mais les amis, vraiment le temps libre que j'ai consacré, je le consacre totalement à la vidéo, enfin mon métier. Et j'ai remarqué qu'en fait je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos dans le mois d'août. C'est pour ça que j'ai fait aussi une petite pause, parce qu'au final ça servait à rien que je fasse des vidéos sur des jeux auxquels je ne joue pas actuellement, enfin, ça se voit même, hein, je prends moins de plaisir à jouer aux jeux vidéo. Enfin voilà, je sais pas, peut-être j'ai grandi, peut-être j'ai mûri, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne joue plus aux jeux vidéo. Du coup ça me semblait logique de plus faire de vidéos pour l'instant. Donc pour ça, j'en ai profité pour réfléchir un petit peu à l'avenir de la chaîne, parce que 50 000 abonnés, une chaîne à 50 000 abonnés, faut pas l'abandonner, faut la continuer. Sachant qu'en plus, YouTube n'est pas du tout mon métier, YouTube reste une passion, les amis, c'est une passion avant tout, hein. J'ai un métier à côté, donc YouTube c'est vraiment secondaire, c'est vraiment secondaire. Donc c'est pour ça que je peux aussi prendre ce genre de décision de vouloir tout changer comme ça, d'arrêter la vidéo gaming. C'est ma chaîne, je fais ce qui me fait plaisir, bien sûr, avec vos avis, vos commentaires et votre soutien, ça compte énormément, bien entendu. J'ai envie de faire d'autres vidéos. J'ai envie de découvrir d'autres choses. Enfin voilà, j'ai envie de découvrir vraiment autre chose que les vidéos gaming. Donc j'espère avoir votre soutien à 100%. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que je vais recevoir un maximum de dislikes, beaucoup de désabonnements sur ma chaîne. Je suis conscient et je suis préparé à ça les amis. Enfin franchement, je suis préparé à ça. Je m'attends à ça bien entendu. Si vous vous désabonnez pas, franchement je vous remercie. Mais du fond du cœur, je vous remercie. Cela veut dire que vous restez quand même pour voir les prochaines vidéos, pour voir à quoi ça ressemble, parce que j'ai hâte de vous les montrer. Alors avant de continuer les amis et vous dire qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne, parce que je vous ai pas encore dit qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne, je tenais déjà à m'expliquer pour Boom Beach. Alors début juillet, j'ai reçu un mail de Drew, le community manager de Boom Beach, qui va d'ailleurs partir, d'ailleurs pas dans pas longtemps. Voilà, il m'a dit: Thomas, voilà, on aimerait te proposer être ambassadeur de France. Alors moi sur coup, en plus j'ai terminé les études, je me suis dit bah impeccable, ça tombe pile poil au bon moment. Je vais dire oui, comme ça voilà, je vais pouvoir préparer mes vidéos, je vais être ambassadeur de France, donc ça va être super, enfin je vais pouvoir vous proposer du contenu exclusif. Et sauf que du coup bah j'ai pas eu de news, donc les mois sont passés. Et au fur et à mesure, quand j'ai sorti mon clip, Drew il m'a recontacté encore une fois. Il m'a dit: Thomas, vous t'inquiète pas, le service juridique de Supercell met du temps à répondre, mais voilà, c'est en train de se faire, tu vas bientôt signer les papiers, etc. Et du coup j'ai pas encore répondu. Et là malheureusement, quand cette vidéo sera sortie, quand vous la regardez, j'ai envoyé un mail à Drew en refusant du coup de devenir ambassadeur de France, parce que ça sert à rien que je devienne ambassadeur si je ne joue plus au jeu. Enfin c'est totalement logique, même si ça m'aurait fait hyper plaisir de l'aide, parce que j'ai attendu ça pendant si longtemps. Du coup voilà, je suis désolé pour tous les boomers, parce que je sais que vous attendez ça avec impatience, que je sois ambassadeur pour vous proposer du contenu. Malheureusement je ne joue plus à Boom Beach, j'arrête les vidéos gaming. Je connais des personnes qui font très bien l'affaire, j'ai donné des noms à Drew, le community manager. Voilà, j'ai donné à la chaîne Boom Beach francophone, eux ils sont toujours à fond, et je pense que ça doit être eux les ambassadeurs de France et vous proposer du contenu vraiment exclusif, parce qu'ils font un boulot de dingue pour entretenir la page et maintenant faire des vidéos. Donc voilà, je tenais à vous dire, j'ai donné des noms, j'espère qu'ils vont vous contacter. En tout cas j'espère du fond du cœur, parce que voilà, Boom Beach c'est un super jeu et j'aimerais bien qu'il continue. En ce qui concerne Might & Magic, et bien là c'est pareil, hein, j'ai envoyé un mail au développeur, j'aurais dit que ouais, j'arrête les vidéos gaming. Je reste en contact avec eux, avec Ubisoft en tout cas, parce que c'est une super entreprise, donc je reste en contact avec eux. Mais voilà, j'arrête les vidéos Might & Magic, donc je suis désolé pour ceux qui se sont abonnés sur du Might & Magic sur ma chaîne. Vous avez le droit de vous désabonner si le contenu ne vous plaît plus, vraiment vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez bien entendu. Mais voilà, je tenais à vous préciser que voilà, je ne fais plus aucun jeu sur ma chaîne Le Tommy Boy. Voilà, c'est terminé, on passe à autre chose. Et donc, je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que va devenir ma chaîne. Mais avant tout, j'aimerais avoir vraiment tout votre soutien, les amis. Vraiment tout votre soutien. J'ai vraiment besoin de vos commentaires. J'ai vraiment besoin un maximum de pouces bleus, les amis. Ça me ferait super plaisir de voir combien de personnes me soutiennent dans mes nouveaux projets. Et donc, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur de cette chaîne. Quelles vidéos vont arriver. Donc, en fait, tout simplement, je veux reprendre le
le principe de ma chaîne secondaire Thomas D. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la voir, elle est en description. Donc le principe c'est tout simple, faire des vidéos vlog, high-tech et audiovisuel sur ma chaîne. Voilà, tout ce qui concerne les caméras, la photographie, les vidéos, vraiment tout ce qui est vlog quand je vais faire des voyages, participer au concours, vous proposer des courts-métrages, voilà, vraiment faire des trucs vraiment de qualité, vous proposer un contenu que j'adore, que moi j'adore regarder sur YouTube et j'espère vous retranscrire aussi en vidéo. Donc voilà, il n'y a pas plus simple que ça, je vais faire ce genre de vidéos, voilà, des sortes de vlogs, des présentations de caméras, de drones, voilà, on va faire plein de trucs assez cool, des plein de tutos. Je vais vous expliquer comment faire certaines photos, je vais vous expliquer comment faire certains effets dans la vidéo. Enfin bref, je vais vous expliquer plein de choses sur la photo et la vidéo. Donc j'espère que vous allez adorer, en tout cas moi j'ai hâte de vous les montrer. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire du coup sur ta chaîne secondaire? Je sais pas trop encore ce que je vais faire, en tout cas je l'abandonne pour l'instant. On verra plus tard si j'en ai besoin. Mais voilà, la chaîne secondaire, on peut l'oublier, on reste sur la chaîne principale, le Tommy Boy. Donc les amis, c'est très important d'avoir votre soutien sur tous les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et Instagram. Je tiens à vous préciser, Instagram, je suis super actif sur Instagram, je poste plein de photos super cool, je fais plein de stories super cool aussi, enfin bref, on s'amuse assez bien sur Instagram. Donc Twitter, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait super plaisir, n'hésitez pas à me soutenir aussi également, n'hésitez pas à me parler, je suis très ouvert sur les messages, enfin vraiment, je réponds à tout le monde, j'essaie de répondre à un maximum de monde. Si je réponds pas immédiatement, je répondrai dans les heures qui suivent, vous inquiétez pas, mais en tout cas je réponds à tout le monde. Donc surtout n'hésitez pas à me soutenir sur les réseaux sociaux. Donc je me répète, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire sur ma décision, sur la décision que j'ai prise sur la chaîne, avoir vos retours les amis, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous désabonnez? Est-ce que vous restez pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'aimerais avoir votre avis dessus. Qu'est-ce que vous allez faire vous en voyant cette vidéo? Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, sachez que je change de contenu. C'est la plus grosse décision que j'ai pu prendre sur ma chaîne entière. Je suis super content de vous proposer un autre contenu. Je suis super content aussi d'évoluer, parce qu'il faut aussi évoluer dans YouTube. Faut pas rester tout le temps à faire les mêmes vidéos. Faut évoluer, faut un peu prendre des risques, et c'est ce que je fais actuellement. Donc j'aimerais avoir le soutien de tous mes collègues youtubeurs aussi également. Je sais qu'ils me soutiendront, même s'ils ne le disent pas, ils me soutiendront quand même, parce que c'est quand même un gros risque que je prends de totalement changer de concept et de style en fait, tout simplement. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre soutien. Donc voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'ai hâte de vous montrer les futures vidéos qui vont arriver. Les vidéos ne vont pas venir tous les 3 jours, ça va être sûrement une semaine, tous les 2 semaines. Je prends vraiment le temps pour faire les vidéos que j'ai envie. Je vais vous proposer un maximum de contenu, vous inquiétez pas, la chaîne ne s'arrête pas là. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, là où je suis très actif, c'est sur Instagram, mais aussi sur Twitter et aussi un petit peu sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Et on se termine sur mon dicton préféré, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.